Bonsoir, messieurs. Charmant. Bon, allons, Charles, il est plutôt attachant. Hé hey, Catherine, au travail. Viens par ici. Verse-moi un peu à boire. Que donnent vos recherches? Mes calculs et mes cartes ne suffiront pas. Et vos contacts chez les indigènes? Ils ne parleront que si nous gagnons leur confiance. J'ai ma petite idée pour réussir ce coup-là. Un homme capture des Indiens pour en faire des esclaves. Si on les sauve, ils nous aideront, c'est sûr. Sais-tu où sont ces esclaves? Je crois pas. Benjamin Tchoff, je le saura. Il est toujours au courant de tout. Et il est sur votre liste. Et dire que je me demandais encore qui recrutait. Bravo, Charles. Merveilleux. Charles. Sœur. J'ai l'impression que nous ne sommes pas les seuls à chercher Monsieur Church. Bon sang, qui sait où il peut être? Qu'allons-nous faire? Le retrouver. Bien. Je vais te montrer. De nombreuses maisons ont été endommagées lors d'un récent tremblement de terre à Cape Ann. Des secousses ont été ressenties aux quatre coins de Boston. Les églises servent de refuge aux sans-abri. Dieu protège le roi! Faut-il écrire à sa famille, d'après vous? C'est une intention louable, mais ce ne sont pas nos affaires. Si vous aviez vu ça, il devait être saoul pour se conduire comme ça. Et en plein jour, en plus. Votre voisin a abîmé votre carriole. C'est qu'une baudruche. Le cheval d'un rusco vous l'a renversé. Le cabinet Blake et Heath fera valoir vos droits devant les tribunaux. Quelle conduite scandaleuse pour un homme promis à devenir chirurgien. Mais s'il passe sa vie à faire la noce... Quel spectacle! Les parents de Benjamin seraient mortifiés! Je devrais peut-être envoyer quelqu'un à sa recherche, avant que sa réputation n'en soit irrémédiablement souillée. Ils sont partis au nord-est, sans doute à la recherche d'une taverne ou d'un autre lieu de perdition. Commence par interroger les gens dans la rue. Je vais prendre de la hauteur. Thank you.
pense, l'un d'eux sait ce qui est arrivé à Mr. Church. J'ai demandé aux pilleurs, mais personne n'a rien vu. Bien entendu. Attends là. Drôle de vêtements. Il va se fatiguer. Tu penses pouvoir nous échapper? Il est là. Viens essayer. Je me sens de moins en moins en sécurité dans ce quartier. Essayez de vous rappeler. C'est-à-dire que je viens de voir mourir l'un de mes amis. Racontez-moi tout ce qui s'est passé. C'était trois. Non, quatre. Tous de réputation douteuse. Ils ont porté le cinquième. Il était inconscient. Il a offert son aide. Ils l'ont égorgé et puis... ils sont partis comme si de rien n'était. Comme si c'était... Par où sont-ils partis? Les Indiens attaquent les forces françaises. Le commandant français de Jumonville est tué. Je n'en sais rien. J'essayais d'arrêter le flot de sang. Allons, tâchez de vous rappeler. Par là, je crois. Le persécuteur municipal de Boston a été sanctionné parce qu'il n'avait pas recueilli et l'impôt. Et même plus, à des prix incroyables. Ne traînons pas par ici. Il a tort de tenir ça en main. Il serait mieux de ranger son arme. J'ai demandé aux prières, mais personne n'a rien. Bien entendu. Sale menteur. Bah, que puis-je faire? Les suppliés, ils se moquent bien des menaces. Les actes en disent plus long que les mots. Il n'y a qu'à en arrêter un. Les autres comprendront. Si on en arrête un sans motif, ils vont se dresser contre nous. Cette ville n'a vraiment pas besoin contre les abus de pouvoir. Alors oublions tout ça. Les meurtriers sont... cette charogne s'en va. Oh, l'oiseau. Voilà un qui aime se donner en spectacle. Tenez-vous prêts!
m'ont congédié. Selon eux, tout allait pour le mieux. Étrange. Ont-ils dit ce qui s'était passé? Non. Simplement qu'il n'y avait rien de grave et qu'il serait bientôt de retour chez lui. Mais j'ai vu du sang. Je me demande si c'était pas plus grave qu'il le prétendait. Où l'ont-ils emmené? Vers le haut de la colline. Il y a peut-être un docteur au fort. Certainement rien de bon. Peter est avec eux. On va le chercher à l'époque. La face est dit. Peter, le jour où on danse. Je pense qu'il vaudra mieux éviter d'acheter de la viande demain. Oui, bonne idée. Tu vois, Charles, nous aurons bientôt retrouvé Church. Comme je l'avais prédit. Si je peux me permettre, sœur, où avez-vous appris tout ça? Ces enseignements sont obligatoires dans l'éducation que j'ai reçue. Par ici. La perception est fondamentale pour notre ordre. Elle guide nos pieds et nos mouvements. Elle informe nos mains pour combattre et pour tuer. Ah oui. Mais par-dessus tout, elle transforme nos sens. Et elle change notre regard sur le monde. Prudence. L'endroit est bien gardé. Tout ça ? Il faudra être discret. Fermé. Je dois trouver cette clé. Reste ici.
je décampe ici. Tu vas tomber comme un sac de patates. Nous y voilà enfin. Pourquoi rends-tu toujours les choses si difficiles, Benjamin ? Contente-toi de me dédommager et je te pardonnerai cet affront. Je refuse de payer pour votre protection. Et pourtant, tu en as tant besoin. Regarde dans quel état tu es. Quelle grossièreté. Bon, qu'allons-nous faire de notre ami ? Et si je lui coupais les mains ? Ce serait fini la chirurgie. Ou peut-être la langue. Il ne jouerait plus les commères. Ou alors, je le castre. Ça lui passerait l'envie de nous baiser. Un choix si vaste, j'ai si peur de me tromper. Fais les trois. Oh, attendez un instant, Silas. J'ai peut-être refusé votre offre sans réfléchir. Je suis vraiment navré, Benjamin. Mais il est trop tard. Soyez raisonnable, Silas. Oh, je crois l'avoir été. Mais tu as préféré profiter de ma générosité. Je ne fais jamais deux fois la même erreur. Je ne me sens pas capable d'assister à de tels actes de barbarie. Viens me voir quand ce sera fait, Cutter. Tu le regretteras, Silas, tu m'entends ? J'aurai ta tête ! Non. Cela m'étonnerait fort. Avec la chance, tu t'évanouiras. Mais je vais faire tout mon possible pour que ça n'arrive pas. Un petit bout par ici, et un autre par là. Je vais me faire de... Hey ! Par ici, bande de sauvages ! Allez ! Venez me chercher ! Tam Kenway, pour vous servir. Mais je n'y comprends rien. Que faites-vous ici ? Suivez-moi, Mr. Church. Je vous expliquerai tout.